Ici, au Reux, finit les tondeuses à gazon. Ce sont les moutons qui se chargent du travail. L'idée a séduit la commune. Et désormais, ce sont les animaux de ce jeune agriculteur qui entretiennent les espaces verts. Et tout cela à moindre coût pour la ville. Nous, notre intérêt, c'est qu'on est vraiment agriculteur. On cherche à faire de l'élevage, mais avant tout à entretenir les espaces. Et aujourd'hui, les communes, on leur propose un partenariat de 10 ans. C'est-à-dire que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une visibilité de 10 ans. On signe une convention avec la municipalité à qui il reste à la charge la clôture, l'eau et l'électricité et le certificat des terres. On va de plus en plus sur de nouvelles communes. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'agrandir et de pouvoir en vivre. Le concept suscite également l'intérêt des citoyens écolos et amateurs de bonne viande, car il est possible d'investir sur les moutons de Mathieu Pires via Internet. Un principe développé par We Do Good, une entreprise rennaise. Très concrètement, les gens ont acheté les brebis que la ferme de Milgoul, donc que Mathieu va exploiter en fait sur des terrains comme celui-ci. Et ensuite, ils vont générer donc un bénéfice, ces brebis, grâce à l'activité de Mathieu. Et ça va permettre de rembourser les investisseurs avec un petit bénéfice. Un projet qui a plu à des gens et on a voulu le soutenir, l'aider à communiquer sur sa démarche pour que des gens viennent le soutenir financièrement. Mais alors, s'agit-il d'un retour en arrière ou d'un progrès écologique? Tous les soirs et tous les matins, les enfants passent devant les moutons et réapprennent ce que c'est que la vie animale, ce que c'est que le respect de l'animal, le fait aussi de voir des animaux pâturer, de réapprendre tout ce qui est naturel. Et c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de remettre en avant la nature là où elle est et aussi l'interaction entre les hommes et la nature. Chacun peut donc investir dans l'éco-pâturage avec We Do Good. Et dans quelques années, les internautes pourront consommer en retour la viande des moutons avranchins de Mathieu Pires, certifié biologique. Et de son côté, le jeune agriculteur travaille déjà sur des partenariats avec d'autres communes d'Ille-et-Vilaine.